1-0 pour la paire Larissa Nyland, Meredith McGrath dans cette finale des Internationaux d'Angleterre 1996 face à Elna Sukova, Martina Hingis. Et la voici la jeune. Ouais, c'est parfaitement touché de la part de Elena Sukova et conclu derrière par Hingis. De lobes un peu surplombant de la part de la Tchèque. Et derrière, la Suissesse n'a plus qu'à conclure dans ce match décroisé. Ouais, première balle très lourde. Et derrière, la bonne. Voilà, les trois balles de Barrett ont été effacées et maintenant Meredith McGrath possède. Et un très très bon jeu de la part de Martina Hingis qui prend complètement. Ouais, quel réflexe, superbe point conclu par Larissa. Un petit peu de réussite, notamment sur le réflexe de McGrath. L'occasion de voir la réaction de la Suissesse. Ouais, bah, belle réaction avec une première balle qui n'a pas été frappée mais bien slicée. Un jeu typique du double avec échange des quatre filles au filet. Ouais, très très bon passing de McGrath. Hingis avait laissé complètement ouvert le couloir. Ouais, juste à l'endroit où les deux filles hésitent un tout petit peu. Rallye de reprise en 84 et 89, US Open en 86 et 93. C'est Meredith McGrath qui est au service maintenant. Ouais, c'était très très croisé. Elle est solide cette Suissesse parce que c'est vrai qu'elle a recherché la médiane. Deuxième balle très très profonde de la part de l'américaine. Ouais, quel retour de Martina Hingis. La première balle de Meredith McGrath était pourtant profonde. Non,
ce tournoi de Wimbledon 96. La jeune Hingis, qui n'a débuté sa carrière que depuis un an et demi, un peu plus sur le circuit pro, ne s'est quand même inclinée que face à la numéro 1 mondiale et vainqueur du tournoi. Oui, là, le lob était un petit peu court et la punition est immédiate. Martina Hingis qui fait l'essentiel du jeu, c'est vrai que très certainement très avisé. Ouais, McGrath, elle est punie hein, lorsqu'elle est. Ouais, magnifique, magnifique club de la part de Mar- Elle a attiré son adversaire au filet pour ensuite placer un lob. Ouais, quelle résistance au filet. Elles en rient d'ailleurs. Sukhova qui a tenté de lob, ça n'a pas fonctionné, elle est ensuite montée au filet. Et derrière, bah, les parties de billard qui... Ouais, beaucoup d'autorité chez Martina Hingis, qui lors de ses... Avec déjà des supporters. Avec quel retour, retour plongeant, 30 partout. Martina Hingis trouve vraiment de très très beaux angles. Avec un formidable coup d'œil chez cette jeune Suissesse. Ouais, le niveau de jeu a encore un petit peu augmenté. Hein. Il s'est un petit... Et celui-ci, il est dans les limites du cours. Elena Suková qui s'offre une balle de débreak. Une balle pour n'être plus menée que 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. Trouve à deux points du match sans parvenir à conclure. Lob parfait de Martina Hingis qui permet à la paire. Cette deuxième manche de la finale des internationaux d'Angleterre 1996. En ce qui concerne le double féminin. Et voilà qui est fait, 15-0 pour Suková. Ouais, superbe volée amortie de la part de Elena Suková et le public qui semble avoir pris fait et... Très grande joueuse, elle n'a pas atteint à 4 reprises une finale d'un grand chelem en simple par hasard. Et voilà, Martina Hingis maintenant complètement rentrée, complètement libérée. Ils savent, espérons pour elle qu'elle ne se mette pas à douter. A tout réussi à Suková Hingis en ce moment.
Oh, quel angle! Quel angle! Et la pression a vraiment changé de camp. Encore un lob parfait de la part d'Elena Soukhova. Et Tcheco Smith à la partie qui a complètement changé. Oh, quel volet réflexe! Et un point exceptionnel remporté par Soukhova. Hingis avec deux réflexes. Ravi. Elle est en train, s'il fallait encore le faire, de séduire totalement toute l'audience. Et voilà la partie qui change complètement de figure avec cette jeune fille de 15 ans. Aidée en cela par une femme d'expérience, Elena Soukhova. Larissa Nyland au service au début de cette dernière manche. Parfait, c'est vraiment. Oh, quel retour! Quel retour de Martine Hingis qui est en train de. Peut-être un petit problème au niveau du placement, un peu moins de précision. En autant de finales disputées. Ouf! Enfin, ça va, c'était dans la chaussure. C'est Tony Truant sur le circuit professionnel. Martina Hingis au service pour confirmer le break. Cette fois-ci, elle est dans une situation un peu plus favorable. Ouais, complètement dans le replacement de McGrath. Elle a... Bring Helena Soukhova in the ladies doubles. And that's it. Watched by her mother, Martina Hingis becomes the youngest.